Comment il me dit? On va en marquer Astérix. Now I have some money, but like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party, living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. Look du jour. La paire de Forum Adidas. Le jogging Melrose de l'hôtel Mafouf avec le sweat qui va avec. Un bon basique blanc. Celle X, c'est que c'est un body qui me rend dans le cul. Et casquette l'hôtel Mafouf qui n'existe pas, que pour les potes et moi. Et des lunettes Ray-Ban que j'ai acheté en brocante. Tout ce que j'aime. On se met en jogging basket car aujourd'hui ça va être sportif. J'ai pas dit qu'on allait faire du sport, j'ai dit que ça allait être sportif. Salut les gars! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Hey, la note! Non. C'était juste pour te dire. On fait quelque chose que Marcus ne sait même pas. C'est-à-dire que là, je suis la seule qui sait ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vais vous mettre dans la confidence. Dans un dernier vlog, j'avais fait croire à Marcus qu'on avait passé la journée au parc Astérix et à Disneyland. Pour des raisons qui m'échappent encore un peu, juste pour faire genre qu'on avait fait plein de choses alors qu'on avait littéralement passé la journée sur le canapé. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, pour que ce ne soit plus un mensonge, il fallait juste qu'on le réalise. Alors aujourd'hui, je l'emmène au parc de Disneyland, ça il est au courant, et juste après, on file au parc Astérix. Sauf que cette voix off, Marcus ne l'a pas entendue. Et tu me fais des voix off en direct, hein? Ouais, là je me chauffe en montage. Et ok. Donc il ne sait pas réellement ce qu'on va faire. Là, Marcus, où on va? On roule vers Disneyland. Yeah. Moi, j'adore Disneyland. J'adore les gens qui travaillent à Disneyland. J'adore les gens qui sont dans Disneyland parce que il y a une sorte d'aura quand tu rentres dans le parc où tout est beau, tout est magique et tout le monde est heureux. C'est vrai. Magic everywhere. Vous l'avez pas volé Disneyland. Moi, je suis très parc d'attractions, tout ce qui est univers. Dès que tu me sors de mon quotidien, tu me mets dans un endroit où j'ai l'impression que tout est beau et que tout va bien. Moi, je suis heureuse et ça me touche même. Putain, c'est trop bien les parcs d'attractions. Ok. Donc aujourd'hui, c'est Disneyland. Ça part. En plus. Allez, zou. Musique. J'ai passé la nuit à compter les étoiles. Sors de la voiture, on y va. En fait, t'es rentré dans la voiture en bas, non? On est arrivé? C'est bon, on y va. On est... Non mais c'est bon. On est rentré dans la bulle Disney. On y est. Allez, réfléchis, c'est fini. Je te jure, on a des choses à faire. On doit profiter de la vie. Ah! Je vous ai oublié. Je suis trop content. Ah ouais, moi aussi. Écoute la musique elle met dans le mood. J'ai l'impression que je suis une fée. Alors, si vous êtes jamais venu à Disneyland, on vous invite avec nous. Et si vous êtes déjà venu à Disneyland, bah vous allez tout autant kiffer parce que à chaque fois c'est comme la première fois. C'est magique. Ça c'est faux. Mais c'est des faux petits trous pour que ça soit frais. C'est pas un emporteur. Aïe. C'est les détails. Les fausses moulures. Là il y a des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus. Je connais très bien chacun des ingénieurs de Disneyland. Je sais, bon, c'est Franck qui a posé le carrelage. Mm-hmm. Mon père les a aidés à mettre toutes les petites ampoules. Mm-hmm. Mickey et moi on est comme ça tous les deux. Je sais pas pourquoi cette blague. Non mais regarde, tout est beau, c'est dans les détails. Moi je peux faire pipi dans ma culotte quand je vois une affiche comme ça. Quand la DA, tout fait sens. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you be me. Look at me deceiving. Let you get the best of me. Bad with no worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger.
tu rentres dedans. Elsa ma vie. Oui, c'est Elsa. Tout ce que je mérite. Ah tu vois, et moi je suis Anna. Ah oui, toi t'es sauve Anna, t'as pas de pouvoir, t'es vrai... basic bitch. Anna c'est elle qui sauve le monde, donc toi va t'enfermer dans ta tour, c'est toi qui crée la merde et après c'est moi qui dois la réparer. Mais alors moi je vais t'expliquer une petite chose, libérer, délivrer le Bob interplanétaire, c'est et qui moi tu sais quoi, moi je vais fêter ce renouveau. Moi mais même. Moi j'adore Disneyland, c'est iconique. Mais le petit souci c'est qu'à Disney les attractions, ben, la queue c'est toujours très long. Hein. Mais avec Léna... c'est encore plus long. Hein. C'est la vie de Saint-Germain. Je voudrais pas un peu ma robe au Met Gala. Les petits garçons et les petites filles qui viennent ici. C'est trop mignon. Il y a une star. Il y a une star. Il y a une star d'Hollywood. Mais vie, mon popo, mais vie. Oh mon dieu, faut savoir que Marc et moi, on est des grands amateurs de sensations fortes. Là, on s'apprête à faire le train de la mine. Attraction qu'on connaît en long, en large et en travers. Cependant, il y a toujours une petite descente à la fin qui te donne envie de crier, tu vois. Donc là, on se lance un challenge. Celui qui crie aura un gage. T'as perdu. Bah, bonjour. On doit rester silencieux tout le long. Un sourire, t'as le droit. Ok. Mais vers... Ah, oh, oh. Ah, ça... c'est ciao. Et okay. Objection. Ça aussi. Ça aussi compte. C'est ciao. Oui, oui, oui. Parce ouais. Que toi, t'aimes tout crier comme ça. Ouh. Ok, c'est parti. Je Let's pense go. Que mais je gagne. C'est quoi le gage? Un truc qui va nous faire chier toute la journée. Maquillage, ouais, le maquillage des petits. Très stylé. Le maquillage des petits. Très stylé. Le maquillage des petits. Tu vas perdre. Lancez vos paris. Team Marcus ou Team Lena? Team Marcus, c'est ça, j'ai dit. Eh, rappelez-vous qui fait le montage toujours pour poster les vidéos. Hein. Et Team Lena. Ta-da-da. Il y a un moment, j'ai plus rien, ça allait trop vite. Oh, j'ai lâché. J'ai trouvé un meilleur jeu que le parc d'attractions. Oh, en soi. Essayer de ne pas réagir dans un parc d'attractions, c'est mille fois plus drôle. Oh, mais Marc, t'as complètement lâché. Mais oui, mais parce qu'à un moment, on est dans le noir et il a mis la troisième. J'ai senti s'accélérer. J'ai hurlé. Est-ce qu'on fait une revanche? Qu'est-ce qu'on fait? Revanche. Entre potes et ne faites pas de bruit. Oh, l'image de notre journée. Est-ce que je peux vous prendre s'il vous plaît un hot dog classique? Petit souci dans l'assemblée, notre gage n'est pas réalisable. Sauf si on fait 2h30 de queue pour se maquiller. Je vous enlève ce plaisir, je vais essayer de contrebalancer la jauge du plaisir et on va faire kiffer des gens dans le parc directement. On mange nos hot dogs et on y va. Demande-moi ce que je digère pas du tout, ce qui me rend super malade. Qu'est-ce que tu digères pas et qui te rend super malade? Les saucisses. Bon appétit. Trop hâte du moment dans le vlog où je vais dire oh je me sens pas bien. Mais ça valait le coup car j'adore les hot dogs. Je vais boire dans mon gobelet, souvenir. Peut-être que j'ai une pathologie, peut-être qu'il y a un trouble psychologique, peut-être qu'il faudrait que j'en parle à mon thérapeute. Mais partout où je vais, j'ai besoin d'avoir un souvenir, d'avoir quelque chose de tangible que je peux mettre dans mes boîtes à souvenirs ou des trucs parce que j'ai l'impression que je vais toujours tout oublier. Vous croyez que les vlogs je les fais pour vous? Je les fais pour moi plus tard parce que j'ai peur d'oublier. Cheers pour tous les amateurs de souvenirs, on est ensemble. Si votre maison ressemble à une brocante, on est grave ensemble. Marc, est-ce que tu sais ce qui va droit dans le cœur d'un enfant? Moi ça c'était ma kryptonite quand j'étais petite. Je pouvais clam. J'aimerais acheter 10 ballons s'il vous plaît.
Combien? 10. Oui. Ça me rend heureux. Merci. Ouais. Oh, Mickey, il s'est détaché. Dans Mickey? Oui. La journée Disney est terminée et Marc, je pense, est à 100 000 lieues de se douter là où on va. Vous savez, on se sait, lui, rien. T'as encore de l'énergie? Oui, oui, ça va. Eh ben super. Après les vlogs d'août, je voulais me booker une petite session spa, sauna, hammam. En fait, j'avais juste à venir dans la voiture de Marcus après être resté au soleil. La chanson 1000 degrés de l'homme pâle a été écrite pour cette voiture. Oh. Vas-y, vas-y. 3, 2, 1. T'es Marcus, je pense que le plus grand péché de l'homme, sa faille. Je sais où on va. C'est le mensonge. Oula. L'homme, parfois quand il est en insécurité, il se sent obligé de mentir. Et moi j'ai fauté. J'ai envie de m'arrêter tout de suite. Moi j'ai fauté il y a quelques semaines quand je t'ai fait croire pendant longtemps qu'on était partis à Disneyland et au parc Astérix dans la même journée. Oui monsieur. Jure. Oui monsieur. On va au parc Astérix. Parce que je me suis dit, j'ai menti. Oh my god. Et pour me libérer de ce mensonge, il faut l'accomplir, comme ça ce sera plus un mensonge. Oh my god, on va par Castérix. On fait Disney et par Castérix dans une journée, c'est iconique. Je roule ma belle. La Gaule, on arrive. Oh mon dieu. Le parc Astérix, c'est tellement des sucres d'amour. On a plusieurs fois bossé ensemble. On avait même le parc privatisé pour des abonnés. On se retourne un peu la tête? Un peu beaucoup. Petit montage de retournage de tête. Et c'est parti. Après on fait un petit carrousel d'enfant. Hein. Le tonnerre de Zeus. Il a changé de slip le bonhomme. L'attraction a changé. Donc on va aller tester le nouveau tonnerre de Zeus. Mais regarde les wagons, ils ont changé aussi. Le dernier wagon, c'est à l'envers. Mais c'est beau comme ça. J'ai peur. Moi j'ai hâte. Le bateau qui fait ça, tu sais. Quand tu montes et que tu descends et que tu remontes et que tu redescends. Genre moi quand je redescends, c'est vraiment... C'était des guilis. Hein. Ça me fait des guilis en bas de l'estomac, tu vois. C'est vraiment les gills du zizi. The gills du zizi. C'est mon rêve d'avoir une machine comme ça. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de faire? Disney plus Astérix. J'ai besoin d'un doliprane, de 20 minutes de sieste pour remettre mes chakras. Une serviette car on a fini sur... l'eau. Et toi Marcus, t'as besoin de quoi? Dormir. Là je veux vraiment dormir. Petite sieste dans la voiture et après Marc il fera la sieste pendant le montage. On alterne, tu vois. Des copains qui font la sieste ensemble restent ensemble. Pas toutes. Nous sommes rentrés à la maison. On est arrivé il y a 10-20 minutes. Léna est en train de monter le vlog du jour. Comme vous pouvez le voir. Faut pas faire The Voice. Hein. Good time pour dormir. Hein. Je crois qu'on pue des pieds. Ah, on pue des pieds. Hein. Bah, c'est normal, en même temps, on a fait deux parcs d'attractions. It smells like fit in this house. On finit ça, on va se doucher, moi je te le dis. Ça va, c'est un documentaire animalier là. Et vraiment, elle découvre le vlog finalement. Ok, j'ai clairement pas la même gueule que quand je faisais du montage. Je vous avais prévenu, on a des soirées tous les soirs à l'hôtel Mafou jusqu'à la fin. Et ce soir, je ne suis pas la hôte. Je suis invitée. Car aujourd'hui, les clés de l'hôtel Mafou ont été données à quelqu'un d'autre. Bilal Hassani. Bilal qui a squatté le vrai banc de l'hôtel Mafou quand j'habitais encore chez ma maman. Et qui venait tous les jours avec Johan et toute la clique. Et pendant le mois d'août, Bilal avait un gros temps fort dans sa carrière. Il sort son nouvel album. Et quand tu sors un nouvel album, il y a le moment où tu révèles la couverture de l'album. Et donc du coup, aujourd'hui, je n'étais plus la propriétaire de mon hôtel Mafouf. Bilal a squatté l'hôtel pendant que nous, on faisait des loopings. Bilal, lui, faisait le reveal de sa couverture. Je présente en exclusivité mon nouvel album, Théorème. Et je vous présente la pochette, Madelon. Hello.
c'était lui et ses abonnés à l'hôtel Mafouf. Et ce soir, on se retrouve tous ensemble pour aller célébrer le nouvel album Théorème de Bilal qui va sortir et aller voir cette couverture. Bon, il se pourrait que je l'avais déjà vue car j'ai des contacts. Du coup, mon contact qui est Bilal, puisque... Enfin, je peux pas faire la meuf, il y a genre 100 mineurs vidéos. Mais ce soir, c'est la fête. J'avais oublié que j'avais... Un potentiel. Et je vais appeler Seb ce soir pour que je rentabilise le gloss que je vais mettre. Mais merci beaucoup d'être venu et merci Léna de me laisser squatter l'hôtel Mafouf. Oh. Vraiment, ça fait trop plaisir. Eco boost, je te goûte, je te fais pas la bise. On perd pas le tag, transfert trottinette. Demain l'hôtel. Bonjour Seb. Salut. J'ai paniqué, je suis partie en courant, j'ai l'impression d'avoir oublié mes clics et mes claques. Tant que j'ai ma caméra, tout va bien. Je vous ai quitté avec Marcus et je vous récupère avec... Salut. Sébastien. La caution calme des vlogs. C'est vrai que c'était un peu folie. Cette journée vraiment, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. C'est fou. Deux parcs en une journée. C'est un from a blog tout... Ouais. La morale dans tout ça, c'est qu'il faut pas mentir. Quel rapport? Mais si, parce qu'on avait menti. Non. Ah oui, oui, oui. Non, c'est plus une promesse. C'est une promesse anticipée, c'est comme quand tu te fais scotcher. Tu mentais pas au moment où tu disais on va faire quoi, je vais me faire scotcher au plafond. T'as menti, hein, tu l'as pas fait. Hein. C'est plus des promesses. C'est une question vrai. De promesses. Mais des promesses d'après, avant qu'on le dise. J'arrête de le gâcher. Vas-y. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à demain, car les vlogs d'août c'est tous les jours. Et merci d'avoir passé la journée avec moi et mes copains. Je vous dis à demain. Check du coude. Bisous. Ah, tu voulais le faire? Au revoir. Allez, tu mets ton coude sur mon objectif. Tu le fais tous les soirs. Présente ton t-shirt. Non. Voilà. Là, vous pouvez aller vous coucher. Les créatures de la nature ont besoin d'air pur. Et qu'importe la couleur de leur peau. Mais franchement. Mais est-ce que tu peux pas l'air manger du vent, vent. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.